Alors que la nouvelle saison de Koh-Lanta baptisée Le Feu Sacré va bientôt débarquer sur TF1, un ancien aventurier est plus heureux que jamais. Loïc des éditions Les Quatre Terres et la légende file le parfait amour avec la charmante Lucie Cossanel. Sa compagne n'est d'ailleurs pas une parfaite inconnue puisqu'elle a été sacrée Miss Languedoc-Roussillon 2019. Le 19 janvier dernier, l'ancienne reine de beauté a fait une grande annonce à sa communauté. De quoi réjouir les fans du couple. Loïc@Instagram après 2 ans d'amour et de vie nomade, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin 2021 que les tourtereaux ont officialisé leur relation. Tous les deux amoureux de la nature, ils ont sillonné la France en quête de paysages paradisiaques. Il faut bien l'avouer, Loïc n'a Dieu que pour sa Miss régionale préférée. Le jeune Savoyard ne cesse en effet de lui déclarer sa flamme. Sa chérie en fait de même. Lucie Cossanel et son compagnon vivent actuellement d'amour et d'eau fraîche. Seul hic, ils n'habitent pas ensemble. Leur quotidien va cependant changer et pour cause, la petite amie de Loïc va s'installer chez lui à Lyon. La jeune femme s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer la nouvelle. Sans grande surprise, les internautes ont réagi en masse pour les féliciter. Après 2 ans d'amour et de vie nomade, nous avons décidé de poser nos valises à Lyon. Prêt à commencer cette nouvelle vie à deux. Et d'ajouter, je suis tellement heureuse de vous l'annoncer. Mon Dieu que ça aura été long niveau recherche, mais ça y est, nous avons trouvé notre pépite. Loïc et Lucie Cossanel, comment se sont-ils rencontrés? Aussi étonnant que cela puisse paraître, Lucie Cossanel n'est pas une grande fan de Koh-Lanta. En revanche, son petit frère l'est. Ce dernier a suivi le parcours de Loïc dans l'édition Les Quatre Terres. Après l'élimination de l'aventurier, il a demandé à sa grande sœur de lui envoyer un message sur Instagram. Ainsi a commencé leur histoire d'amour.